Salut gang! Je te laisse le temps d'arriver. Écoute, celles qui sont là ou ceux. J'aime ça dire ça. Ça, c'est juste si mon chum écoute. je te laisse ici la base que moi, je vais utiliser pour ma page aujourd'hui. Le temps que je vais laisser le temps un peu aux gens de se connecter. Puis, je vais faire mon tirage avant de commencer la page quand j'aurai une coupe de monde. Sinon, ben, je vais. Je vais le faire sans personne. Salut. Tous ceux qui arrivent, tu peux me dire un coucou. Salut Nicole. Tu peux me dire des commentaires pour toi. Je le fais debout. Hi Brenda. C'est ça. Je le fais debout pour voir tes commentaires parce que l'iPad, ça marche pas avec l'ordi non plus. Souvent, il y a un délai. Fait que comme ça, si je reste debout, je peux voir vos commentaires rapidement au début. Salut Caroline. C'est ça. Donc, celles qui viennent d'arriver, comme je disais au départ, avant que vous arriviez, j'utilise ça comme base aujourd'hui. Mais avant, je vais faire le tirage de mon live. Salut Audrey! Vu qu'il y a des gens, dans le fond, là, le tirage, c'était... je t'ai soufflé juste au début. Après ça, je me calme. c'était deux chipboards avec deux paquets de cartes. Il y en a qui font encore du Project Live. Sinon, il y en a qui font des cartes ATC. Ou moi, je les utilise pour mes créations. Là. Donc, voilà le tirage. J'ai eu une couple de participants. C'est sûr que je suis sévère, dans le fond, dans mes questions. Puis, tu vas... Salut, Diane! Tu vas voir que je vais avoir encore un autre tirage pour le prochain live. Puis, j'aurai des questions. Je vais être encore sévère. Je veux que tu me répondes. Mais je ne suis pas sévère tant que ça. Je veux juste avoir une interaction puis savoir qu'est-ce que vous aimez. Alors, qui est l'heureux ou l'heureux de... l'heureux ou l'heureuse de ce magnifique tirage? Voyons, je dépasse, je suis anglaise, française. En tout cas, bref, c'est ça, c'est pas un gars. Il n'y a pas de nom de gars là-dedans. Alors, c'est parti! Oh! Je triche pas, là. Je suis juste un peu trop énervée. Vive le café! Hey, Nicole Perron! Bravo! Tu as gagné ça! Donc, je vais mettre de côté. On va s'en parler en privé. Comment tu vas pouvoir avoir ce magnifique cadeau-là? Ben, c'est sûr que tu l'as. Je le garde pour toi à ton nom. Mais tu sais comme moi que tu as commandé des produits fabricants. Donc, on va tout envoyer ça en même temps quand tout va être arrivé. Alors, félicitations, Nicole! Bravo! J'aime ça gâter les gens qui me regardent puis qui sont patients. OK, je vais arrêter d'utiliser le masculin pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai surdosé. Dis-moi si tu... Salut Sarah! Sarah, je sais que tu m'as texté, je vais te répondre. Veux-tu que je te réponde ici ou en privé? Non, je niaise. Salut Joanne! OK. Là, je pensais que Caroline te disait bonjour. Je te le voyais en radeau. Tel bon. OK. Alors, la base, ceux qui connaissent pas ces papiers-là, c'est des papiers aquarellables qui sont vraiment trippants à travailler. Puis en plus, ben celles qui font des 12-12, ben c'est juste la bonne grandeur. Tandis que il y en a beaucoup qui utilisent tes papiers-là. Salut Nathalie! Puis et je pense qu'ils en font 12-12, mais ça n'a pas la même propriété que le papier aquarelle. Donc, on m'a demandé de faire une page et de faire du mix média comme... ou de faire des projets altérés. Vous savez, je vais refaire d'autres lives, fait que c'est sûr que je vais refaire un autre projet ou objet altéré. Puis là, j'ai décidé de faire un fond moi-même. Je pense que c'est Joël qui avait demandé ça. Un fond moi-même d'une page. Souvent, je vais utiliser des papiers unis. Ou des papiers très foncés, ça dépend. Des fois, je m'amuse, hein, vous le savez. Fait que là, ma collection que j'ai choisie, c'est Night Garden. Puis, j'ai même pas choisi la photo. Je vais la choisir avec vous tantôt. Malgré que... Non, je vais la choisir tout de suite, comme ça, ça va m'aider. Celles qui le savent, je te dis un secret aujourd'hui. Non. Le secret, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de photos qui ne sont pas mes photos. Parce que un moment, ben je pense que je l'ai dit l'autre fois, un moment donné, j'étais tannée de toujours faire des photos de mes chiens. Donc, tu vois, ça se peut que j'y aille avec ça, mais malgré que c'est plus noir que brun. En tout cas,
Je vais la mettre de côté pareil, mais c'est ça. J'étais tannée de faire des photos de mes chiens. Donc, j'ai décidé que j'utilisais autre chose. Puis là, je me suis amusée à prendre plein de photos Pinterest. Mais là, ça se peut que je recommence à reprendre mes chiens. C'est juste que là, je pense qu'on peut pas aller chez Walmart, hein, pour faire finir des photos. Y en a-tu qui ont fait finir depuis le COVID des photos? Tu sais, mettons, avant, on pouvait faire ça en ligne pour Costco ou... Je sais pas, Walmart, si on peut. Ou non, ils ont arrêté ça. Ça se pourrait qu'ils aient arrêté ça. Ouais, j'ai pas grand photo qui fait avec ça, hein, encore. Je vais trouver. Non, on peut pas, Sarah? Ou non, tu veux pas que je te réponde en privé? Ici... Je suis une petite blaguette, moi. Bon. J'ai comme le goût de prendre peut-être quelque chose avec du brun parce que même noir, ce sera pas beau. Puis je veux y aller puncher. Fait qu'en tout cas, j'en ai deux. On va voir avec ça parce que je veux faire le fond. Puis, ouais, une selfie, c'est l'idéal, effectivement. J'en ai beaucoup, hein, de photos. Fait que j'ai le temps d'épuiser mes photos avant que ça revienne à normal, d'après moi. Mais oui, effectivement, des selfies. Comme je disais dans d'autres lives, moi, je suis accro au papier Fabrica décoru pour une chose. À l'endos de leur page de papier, ben il y a des die-cuts. Parce qu'on peut aussi acheter des die-cuts comme ça. Mais il y en a aussi de plus, donc c'est le fun. Quand on n'a rien à faire comme là, ben on peut utiliser du temps pour découper. C'est bizarre, ça. Ils ont comme mis une feuille avec rien. C'est la première fois que je rouvre ce paquet. Donc, peut-être que c'est voulu, pas voulu. Donc, je vais regarder un peu. Ça va être quoi mes papiers pour mater ma photo? Moi, je pense que je vais y aller avec mes chevaux. Ou celle-là. Puis après ça, je vais pouvoir partir avec mon fond. Je vais juste m'assurer que ça sera pas si pire. Oh, mais regarde, tu vois, les chevaux, je pense qu'ils vont plus fitter avec tous les papiers de ce collection-là. Super. Fait que j'y vais. C'est juste pour... Regardez, désolée hein, pour le chien. Des fois, mon chum s'en occupe, des fois pas. Ah oui, chez Walmart, on peut commander en ligne. Puis quand c'est prêt, il t'envoie un courriel. Ensuite, tu vas aller chercher. Ah, super, salut de Beauport. En plus, merci Diane, parce que des fois, selfie, quand on a les trucs, ça fonctionne bien. Mais quand on n'a pas, tu sais, mettons, quand on n'a pas de selfie ou quand il faut racheter des affaires, mais ça revient au même, puis ça revient quand même cher. Donc, pour faire un fond en aquarelle, il y en a qui font des petites taches. Moi, je suis quelqu'un qui va quand même mettre beaucoup de produits. Fait que si je fais une petite tache, quand je vais rajouter tout plein d'affaires par-dessus, ben on la verra plus, ma tache. Fait que là, c'est sûr que je vais faire une grosse tache. Je vais faire une grosse tache pour qu'on le voit. Puis, je vais te montrer un peu comment je fonctionne. Il y en a qui vont fonctionner avec des pinceaux comme ça. Pour faire déjà la tâche, il y en a qui vont utiliser les vaporisateurs, puis il y en a qui vont utiliser ces pinceaux-là. Moi, je joue souvent avec vaporisateur et pinceau comme ça. Donc voilà, puis là, j'ai le goût d'essayer quelque chose avec toi, mais je les ai jamais ouverts. Fait que ça se peut que ça fasse une boîte. Normalement, non, là. Normalement, je suis bonne avec les produits de Funabert, mais je les ai juste pas essayés encore. Donc, j'ai demandé à une amie qui est Cynthia Landry. Je sais pas si elle écoute. Je n'ai pas vu si elle était là. Puis, elle m'a dit que c'était aquarellable. Fait que Cynthia, elle y travaille quand même souvent. Fait que là, j'ai comme 5 couleurs que je vais travailler. Mais je vais y aller avec la mauve. Et peut-être celle-là ou la rose. Je vais voir, mais je vais commencer avec la mauve. Donc, c'est ça. C'est ça qui est ça. Avez-vous eu le temps de souper, gang? Je sais pas, hein? En tout cas, bon. Je commence. Comme je disais, moi, je vais vaporiser un peu pour faire une pas pire tâche. Pas trop. Là, c'est sûr qu'on le voit pas bien. Mais,
Tout dépendant, quand je vais aller m'amuser avec des couleurs, là, c'est sûr que je le connais pas, le produit. Fait que je pense qu'il est très, très, très pigmenté. Ouais, très pigmenté. Fait que je vais y rajouter de l'eau. Un peu comme quand on fait des poudres, quand on fait de la poudre ou quand on fait des choses comme ça. Mais on va utiliser de la même façon. On va aller se faire notre couleur, puis on va la diluer sur ce qu'on veut. Donc, moi, je veux venir voir comment ça travaille. Regardez. Juste en mettant un petit peu, je viens aller faire mes punches de couleur. Écoutez, ça aurait pu être un pinceau bien sec pour le faire, parce que j'utilise pas l'aquapenteur là, pour le moment. Ah, c'est bon ça! T'as soupé de bonheur, Nicole! T'as bien fait, hein? T'as gagné le cadeau! Fait que dans ce temps-là, on se dit, ah, c'est bon, c'est bon. Tantôt, quand je parlais de grosses taches, petites taches, là, c'est sûr que il y en a qui la trouveraient déjà grosse, la tache. Je parle pas de filles, hein? Je parle de... Salut, Marthe! Salut, Yasmine! Donc, là, moi, je vais venir m'amuser à venir créer des dégradés. À date, j'adore le mauve, ce qu'il fait. Donc, je vais venir y essuyer un petit peu, puis après, y essuyer, je parle mal, hein? Je vais prendre un essuie-tout que je n'ai pas en ce moment. Je vais aller chercher mes chats, puis je reviens. Donc, c'est ça. J'avais pas d'essuie-tout. Je suis allée m'en chercher. J'ai pas pensé. Salut, Brigitte! Donc, comme il y a beaucoup d'eau ici, je vais en enlever. Puis, je vais venir retravailler ma tache d'eau. Parce que c'est sûr que moi, comme ça, j'aurais pas assez... si je rajoute plein d'affaires, il va me manquer d'espace. Donc... je viens ajouter de l'eau pour grossir ma tâche. Pour refaire des choses. Salut Audrey-Anne. Audrey-Anne qui est mon amie collègue, qui ne bricole pas mes bains, qui me regarde. Écoute, ça veut dire que il n'y avait pas grand-chose sur Netflix ce soir. Je fais des blagues. Là, regardez, je trouve que ça manque d'eau, mais là, je vais l'utiliser mon pinceau aquapenteur. Là, on pourrait s'amuser longtemps. Là, j'ai utilisé les couleurs de Finabar Liquid Acrylique. On pourrait utiliser des aquarelles que vous avez à la maison. Ça pourrait être de la peinture comme ça qu'on dilue. Ça, tout médium peut fonctionner. Super. Donc là, j'en enlève un peu parce que je veux rajouter de la couleur. Puis ça, il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Puis après ça, je vais faire un mélange d'une autre couleur. Le truc aussi, quand on travaille en aquarelle, c'est de laisser sécher à l'air. En tout cas, salut Francine! De le laisser sécher de côté moins... c'est sûr que quand on taponne et qu'on enlève, ben on enlève aussi de la couleur. On fait moins l'effet colorisant. Là, regardez comment j'ai fait une belle chenoute ici. Fait que je vais venir m'amuser à rajouter un petit punch de couleur. J'ai pas pensé à ça. Fait que c'est sûr que plus on l'essuie, plus on enlève de la couleur, plus on fait moins une belle tache, là, mais... Écoute, Marthe, t'as pas besoin d'être bonne comme moi. C'est pas compliqué, là. Tu fais n'importe quoi. Les filles,
c'est tout le temps du gros n'importe quoi. C'est juste que j'ai tout le temps dit, hein, moi, je fais du de l'art de niaiseuse. Ça veut dire que je me pose pas de questions, puis j'y vais. Tout simplement. Tu sais, je suis pas en train de faire une fleur, là. Demande-moi pas de faire une fleur en aquarelle. Pas sûr que je serais capable. Salut, Bibi! C'est Chana, ça, Bibi. Vu que t'as changé ton nom, à chaque fois, je suis toute mêlée. Donc, souvent, on a tendance à vouloir venir le sécher. Puis, c'est ça qui fait que après ça, notre tâche va bouger, va être moins belle, puis si ça fait pas un beau mariage de couleurs. Là, j'hésite. Est-ce que je vais vous demander, mais ça se peut, je vous écoute pas, hein, vous le savez. Salut, Lorraine! J'hésite entre rajouter du vert, alors je vais vous les mettre comme ça, ou du terre ou du rose. Dites-moi le choix, puis Cassiopée, elle veut savoir. Non! Tiens. Mais vous savez, hein, j'ai une cocotte qui a à peu près 3 mois. 3 mois? Ouais. Je pense que c'est la pire peste chatte du monde. Elle monte partout. C'est une bengale, hein? Ceux qui veulent... Merci, Émilie. Ceux qui veulent des bengales, pensez-y. C'est des chats fatigants. C'est le fun, c'est la première fois que j'utilise ça, même en diluant avec de l'eau. Ça va faire un effet de brillance quand ça va sécher. On le voit ici, là. C'est vraiment un produit extra. Je suis encore une fois en amour. Émilie, merci, tu m'as dit vert. Y en a-tu d'autres qui se risquent à me répondre ou ils savent que je les écouterai pas? Je veux juste que tu m'aides. T'as le droit de commenter le vert pour Lorraine. Merci, Lorraine. Là, ce que je fais, j'essuie, puis je mets plus foncé pour que ça soit plus punché. Surtout si on ajoute du vert, comme vous le dites. Oui, tu veux venir bricoler, hein, Cassio? Terre, bon, merci, Marthe. À date, c'est pas mal vert qui gagne. Là, vous voyez, hein, si je fais trop, ça l'enlève toute la couleur. Fait qu'il faut vraiment y aller par petit bout. Puis les petits coins, je vais les laisser comme ça. Je fais la même chose qu'un pinceau. Je viens le nettoyer dans l'eau. Puis je le mets de côté. Je vais pouvoir me faire un autre mélange. Pendant ce temps-là, je le mets de côté pour que ça sèche. Terre, vert. C'est sûr que j'avais pas le goût de prendre rose, fait qu'une chance vous l'avez pas dit. J'aurais pas écouté. Mais j'avais le goût de prendre terre et vert, fait que ça donne bien. On va commencer par le vert, puis après ça, on va venir y rajouter du terre. Je vais faire la même chose que l'autre. Juste une goutte, on en avait assez, hein? Donc, c'est des produits qui... C'est pas la bouteille, elle est pas grosse, mais ça contient quand même beaucoup. Si on voudrait l'utiliser plus très pigmenté, ça fonctionnerait. Donc, je vais venir faire mon mélange. Le vert est un petit peu plus vert que je pensais. Je sais pas si ça va faire beau. Je vais y passer un petit coup de séchage pour le live. Parce que sinon, vous allez passer votre vie à m'attendre. Prenez pas... Excusez, j'ai fait un saut. Mon chat est dans la poubelle. Prenez pas le séchoir comme ça pour de l'aquarelle. Ouais, Émilie, tu sors déjà de ta zone? Oh boy! Je viens juste de commencer. Oh, ma zone à moi.
Ouais, vert, beau. Moi, jaune et vert, là, c'est pas les couleurs que je vais utiliser souvent. Parce que je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je vais mettre du turquoise, ça. Oh oui, je vais en mettre. Là, vu qu'on rajoute une autre couleur, je ne sais pas comment ça va jouer. Ça va-tu faire une motte? Il me reste encore du mauve de tantôt. Je vais prendre un... Ouais. Ça a comme... C'est quand même très pigmenté, hein? Ça a comme tout jammé dedans. Bon. Je ne sais pas, vu qu'il est encore coloré, si ça va. Entendez-vous la petite musique en arrière? C'est mon chum, je ne sais pas ce qu'il fait. Je pense qu'il fait à manger. Ou, mais en tout cas, c'est pas grave, il est occupé. C'est parfait. Là, parce qu'on ajoute du... Moi, je vais ajouter du terre, je vais être contente, mais sinon, je suis pas sûre que j'aimerais le mix que ça fait, vu que c'est pas tout à fait sec. Tu sais, quand on dit qu'on veut pas que ça fasse une boîte brune, là. Ouais, mais c'est pas le vert ma couleur préférée. Vous l'étudiez? Donc, est-ce qu'il y en a qui ont, pendant que je vous ai puis que vous avez full le goût de parler parce que vous êtes tranquille à soi? Est-ce qu'il y en a qui ont une suggestion? L'autre fois, j'ai parlé des kits. Il y en a beaucoup qui m'ont répondu pour ma boutique en ligne. Qu'est-ce que vous aimeriez que je commande? J'ai eu beaucoup de commentaires. Beaucoup. J'ai eu deux commentaires qui me disaient de commander du lime citron. En fait, j'adore lime citron. C'est qu'elle a sa boutique en ligne. Donc, si vous voulez, ça revient moins dispendieux d'acheter directement à Jannick, qui est extraordinaire, que moi, je le commande pour vous. C'est souvent moins avantageux. Je le fais plus par boutiques qui sont plus loin ou, tu sais, comme aux États ou, tu sais, je suis capable d'avoir des produits ailleurs. Mais comme lime citron est à Québec puis qu'on est souvent à Québec, ben ça vous revient beaucoup plus avantageux pour vous de commander directement à elle. Puis, elle est encore plus contente parce qu'on encourage le Québec. Donc voilà, je vais faire un petit coup de séchage. J'aime pas ce que ça fait pour le moment, mais on va venir rejouer avec les terres, puis ça devrait être pas pire. C'est sûr qu'un papier watercolor, là, un papier aquarellable, ben ça devient un moment donné gondolé à force de jouer de l'eau. Si j'avais mis un carton en dessous, ça aurait été peut-être moins pire. Mais encore, il y a comme un poil. Tantôt, mon chat est passé. Donc, ce que je disais, c'est est-ce que vous avez des demandes spéciales de plus? J'ai quelqu'un qui m'a dit plus de die-cut Fabrica, ça va me faire plaisir. Plus de dots aussi, des petits... Les enamel dots qu'on peut fabriquer avec les produits Fabrica décorés. Est-ce que vous avez d'autres suggestions, celles qui m'écoutent en ce moment? Non, Lorraine, c'est un papier aquarelle. Voyons, un carton aquarellable. Attends un petit peu, je vais te le montrer. C'est ça. Donc, c'est pour ça que ça fait une belle tâche. Donc, comme je disais tantôt, je vais ajouter la couleur terre pour me faire un autre mélange. C'est la bonne?
Salut Joël! Donc, elle est plus brune que vert. Mais ça va être plaisant de venir jouer un peu dans les couleurs. Ah, oh, Joël, t'as raté le début. ouais, je fais un fond. Écoute, j'ai utilisé. Joël, t'arrives là, puis c'est toi qui m'avais demandé ça. J'ai utilisé les liquides acryliques de Finabère. Ben, Prima, c'est pas. C'est Finabère, sa collection. Mais puis, je les ai mis un peu avec de l'eau pour faire mon fond sur un papier d'aquarelle. Fait que vous voyez que je me casse pas le bessic à faire un gros motif ou une fleur ou. J'aimais moins le vert, ça paraît, hein? Je viens comme un peu trop l'enlever, mais. Puis quand on a déjà de l'aquarelle, on vient jouer un peu juste avec des petits bouts de. Voilà. Je vais le mettre de côté. Je suis désolée pour le bruit de fond. Mes chiens se battent en haut. Non, non, c'est pas trop dilué. Juste correct. Tu vas voir parce qu'on va se mettre des trucs. Moi, ça fait bien mon bonheur. C'est le vert que je trouvais là. Mais pour l'instant, voilà. Fait que là, je vais faire un petit coup de séchage. Ah, oh, ouais. Et pourtant, Matt, c'est pas ma force, la patience, là. Donc, voilà. Je vais le faire sécher un petit peu. On va aller s'amuser à les couper puis mater nos photos le temps que ça sèche à l'air libre parce que j'ai dit tantôt que c'était plus beau. Ça va avoir le temps de sécher un petit peu. Donc, je vais la mettre de côté. Tu te rappelles, ça aussi, je vais le mettre de côté avant de faire un dégât, malgré que mon chat peut renverser. Je vais le mettre là. Ça va être moins pire. Tu te rappelles que je coupe souvent mes papiers? Si tu t'en rappelles pas, ben, c'est le moment. Puis, avec la photo, je vais vraiment plus y aller avec les chevaux. J'aime mieux elle. Voilà. Puis, je prends. J'ai dit la collection Night Garden, mais j'ai pris le paquet 8 par 8 parce que j'ai pas besoin des 12-12. Puis, bon, super. Fait que si il n'y a pas grand monde qui a commenté, t'as-tu des produits que tu aimerais le plus dans la vie, dans ma boutique, dans pas du tout, tu veux rien savoir, ça t'intéresse pas, t'es tanné de m'en entendre parler. Y en a-tu qui étaient contents d'avoir de la neige aujourd'hui? Il abuse dans ce carton-là. Ah, vous n'avez pas eu de neige, Émilie? Nous, oui. J'ai mis où, là? Je sais pas. C'est le même, peut-être. Je peux bien dire qu'il abuse, c'est moi qui ai mêlé. Voilà, puis. Peut-être celui-là. Non, tu n'étais pas contente, Diane. T'aimes pas la neige? Vous autres, proches de où ce que vous habitez, dans le fin fond de Saint-Ben, c'est Beaupré, vous autres, à Messandre, il y en a-tu eu plus? Nous, à Sainte-Brigitte, moi, je suis contente, ça lave ma galerie. Bon, là, je vais utiliser les trois pour les couper en même temps, puis, tu sais, là, calcule absolument rien, c'est juste me faire des bandelettes de papier pour faire en sorte que ça soit
plus beau. Puis je dis, je calcule rien, mais je me dis qu'au moins, ça m'en prendrait une pour mater. Comme ça, puis... C'est beau prix, hein? Salut, Cynthia! Cynthia, j'ai parlé de toi tantôt, mais t'étais pas là. Fait que là, tu pourras te douter que j'ai parlé dans ton dos énormément. Ben non, je fais des blagues. Bon, c'est sûr que là, j'ai pris une coupe de papier qui sont longs, mais j'en prendrai pas trop des longs. Parce que je veux rajouter des chipboards, je veux rajouter de la pâte, je veux rajouter du stencil. Puis ma flaque est pas si flaquée. Ma flaque, ma tâche est pas si grande. Ah, oh, salut Madison! Moi, je devrais faire des émissions pour enfants. Je suis allée imagine. Voilà, voilà, voilà. Ce que j'ai le goût. Fait que là, je suis en train de un peu faire ça. Ça, je vais mettre de côté. Faire mon matage comme souvent je fais. C'est pas nouveau. Ah oui, je parle toujours dans ton dos. Ben oui, j'ai juste ça à me faire, mon avis. Écoute, moi, là, je me lève le matin et je me dis, bon, faudrait bien que je bitch Cynthia. Ça se dit-tu, bitch, si je le mets sur mon compte YouTube? Pas de chicaner. Ben non. Ben non, je fais pas ça. Je fais pas ça, mais non, je disais, Cynthia, tantôt, vu que t'es là, t'es revenue, là. Oui, j'adore le mauve. Ça dépend. Plus le mauve que les autres. C'est toi qui m'as parlé de ceux-là parce que je les avais jamais utilisés. Fait que c'est à cause de toi si je les ai utilisés dans l'aquarelle. Donc, pour coller ma photo, là, je vais y aller vite aujourd'hui. Juste pour celui-là, mais après ça, le reste, je vais le brocher. Vous avez vu, j'ai collé juste dans le milieu parce que ça se peut que j'insère des die-cuts. Mais ça, je vais l'ajouter par-dessus. Ça, pourquoi qu'elle dit que j'adore le mot? Voilà, voilà, voilà. Et celle qui écoute mes lives, que je fais? Je colle-tu ou je broche? Je broche. C'est beaucoup moins long. Je vais en ajouter tantôt. C'est certain. Puis, je vais ajouter du 3D pour rajouter, mais au moins, j'ai mon fond et je sais que je vais utiliser ça comme matière. Je sais pas si ça aurait été beau. Je pense que oui. Broche! Des die-cuts! Hey, merci! C'est bon! oui, je sais, les chevaux. Puis là, la dernière fois, j'ai déstabilisé des gens à mettre des papillons avec des chevaux. Non, avec des lions, mais là, des fleurs avec des chevaux. C'est correct, dans un champ, il y a toujours des fleurs. Bon. Donc, voilà, je mets ça de côté, ça aussi. OK, on continue le truc. Si c'est pas sèche, je vais le ressécher un petit peu pour pouvoir faire ma prochaine étape. Je vous avais dit que j'allais utiliser des stencils avec la pâte à texturer. Là, je prends la pâte à texturer Fabrica Décoru parce que je l'aime bien. Elle a un fini qui est blanc. Donc, c'est intéressant à travailler. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit dans mes vidéos, quand je faisais beaucoup de vidéos sur YouTube, quand je réfléchis, je bouge mes doigts. Fait que là, ça se peut que je le fasse en live. Hein? Encore plus. Donc, un petit séchage. Normalement, là, je le ferais pour ce que je fais là parce que j'aime moins ça l'atténuer. Mais là, je veux pas que vous perdiez toute votre soirée à faire une attente de live de Cindy qui arrête pas de parler. Il y en a-tu qui écoutent mes lives et qui écoutent le salut Martine qui coupe le son parce que j'ai une voix gossante? Ça se peut, hein? Ben, je te félicite. C'est un bon point, ça. Tu dois te dire, hey, elle a beaucoup trop de joie, ou je pourrais vous faire un 2 minutes comme les Américains. Oh my God, it's beautiful! Tu sais, imagine 2 minutes à m'entendre parler, crier de même. Ça serait l'enfer. Déjà que mon chien capote en haut.
Donc, voilà. Prochaine étape. Maintenant que je vous le mets là, ici, là. Ah! Hein, on la voit moins, là, la tâche désaxée. Puis ça fit, trouvez-vous? Salut, Isabelle! Donc, je n'étais pas si folle avec mon mixing. Donc, j'ai le goût d'y aller avec ces deux stencils-là. Je vais commencer par celui-ci avec ma pâte à texturer blanche. Salut, Joanne! Pour... Puis elle est vraiment blanche, fait que c'est pour ça que je l'aime. J'en mettrai pas partout. Pourquoi j'en mettrai pas partout? Y en a-tu qui le savent? Merci, Sarah. C'est-tu toi ou c'est Madison qui commente? Oups. Hey, ben merci. C'est les filles qui ont choisi avec moi. Voilà, juste un peu. Je vous reviens. Je vais juste pitcher ça dans le lavabo. C'est le bateau. Cynthia, t'aimes pas le mauve, on est dans la boîte, hein? Pourquoi je mets ça? Parce que ça va... Salut, Catherine! Pourquoi ça va... Je mets... J'en mets moins partout? Non. Pas parce que ça va être trop uni. Ouais, ben en fait, vous savez, moi, ma salle de scrap est mon sous-sol, parce que c'était une maison bigénérationnelle, puis on n'a jamais... Même avec mon ex, louer l'appart en bas, donc je suis gâtée. Je suis gâtée, mais l'autre fois, je l'ai fait visiter avec mon bordel. Là, je ne vous fais pas visiter ça. Je vais y passer un petit coup de séchoir pour y aller avec l'autre. Mais pourquoi j'en mets pas partout? Elle voulait un arc-en-ciel. Oh boy! C'est rare que je fais des arc-en-ciel, hein? Tu le sais, un jour ou l'autre. Enfin, ma page était très arc-en-ciel. Je vais y montrer juste pour lui faire plaisir. Ce sera pas long, je vais aller la chercher en allant porter l'autre stencil tantôt. Ouais, pourquoi j'en mets pas partout? Parce que quand je vais mettre ma photo, là, il n'a pas besoin de tout. C'est juste pour ça. Auréa Créa, es-tu là? Non, à date, elle n'est pas là. C'est sûr qu'elle est en France, hein? Fait que des fois, elle les écoute en différé. Un petit look grunge? Non. C'est juste parce que je veux que ça donne rien d'en mettre en dessous. C'était facile, hein, comme réponse. Puis là, je vous avais dit que je prendrais de la pâte blanche pour les deux, mais je pense que je vais changer de pâte. Je vais prendre celle-là. Ah! Oh. Attendez. Hein, je l'ai dit, hein, il y a des choses que je vais changer. J'y vais avec lequel? Perlé ou... Ah, Shimmer Eyes, non, ça va être celle-là, perlé. Je vais venir y rajouter des écritures avec ça. Mais je sais pas si c'est un bon move que je vais faire. Hey, salut! T'es là, Aurélie! C'est donc bien le fun. Donc, celle-là va ressembler à celle qui l'ont... Liquitex Bille de verre, où vous avez aussi plein d'autres... compagnie qui en font, là, moi, je prends celle-là pour les besoins de la cause. Donc, c'est une petite pâte avec des billes de verre. Je vais aller venir jouer avec ça. Ah, oh, tu dors pas encore? Tu dors tard, toi? C'est correct, hein? Je soupire comme si ça me dérangeait, mais non, je trouve que... pas non, c'est... Structure gel cristal pire, mais il y a des petites perles dedans. Je sais pas si vous le voyez, je suis peut-être trop proche. Mais ça se peut que ça fasse pas beau avec le stencil parce qu'il est très... Quel bord on écrit ça? Il est très, très mince. Peut-être que ça fera pas beau. Je vais faire un test. Sinon, je vais revenir avec ma pâte blanche.
Ouais, non, oups, c'est pas une bonne idée. L'improvisation de Cindy, pour une fois, c'est pas bon. Je vais aller l'enlever. Puis vu qu'on a pris les liquides, ben quand ils sèchent, avez-vous vu, quand je rajoute de l'eau, c'est permanent. C'est super, hein? Fait que c'est vraiment génial. Bon. Allô? Ah, Martinique, il est 18h39. Salut, Louis. C'est donc bien le fun, Eliette. Merci de me suivre de la Martinique. Je vais porter... Je vais juste nettoyer ça, puis... Non, je vous ai accroché en même temps, hein? Beaucoup trop hyperactive, la fille. Puis, on va se trouver un autre pâte. Bon, ça sera pas... Ça sera pas trop de grains, parce que c'est lui que je voulais, donc... Ouais, on va y aller avec la pâte blanche, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Pas le choix. Pas le choix. Donc, parce que je voulais faire comme deux tons, mais ça sera pas beau. Ouais, j'ai bien de la misère avec l'écriture, parce que je sais pas, hein, ce que c'est, ce qui est écrit, fait que là, j'essaie de trouver le sens. Donc, bon, c'est pas mieux finalement. Pas grave, on va voir pareil une différence. Puis, mon chum est en haut. Écoute, mais s'il est à côté, il va me déconcentrer. Parle tout le temps, mon chum. Hein? Oui, nous aussi, on est confinés ici en Martinique. En fait, il y a seulement les services essentiels qui fonctionnent. Donc, c'est un peu la même réalité. Il ne doit pas y avoir grand pays hein, qui ne sont pas confinés en ce moment. En tout cas, s'ils ne sont pas, ils sont peut-être insouciants ou peut-être que eux, c'est déjà fini, là, mais ça m'étonnerait. C'est assez mondial. Donc, voilà. Je vais juste mettre ça dans mon lavabo. 2 secondes et quart. Non, j'ai pas le goût de mettre de la couleur dans ma pâte. J'avais comme le goût d'avoir un effet plus transparent puis un blanc, mais ça va être beau parce qu'on va rajouter de la couleur tantôt, mais d'une autre façon. Donc, je vais laisser sécher le tout. Je vais venir choisir mes chipboards. Fait que je laisse ça sécher de l'autre côté. On se rappelle que ça, c'était comme ça. Puis... Je m'étais sorti beaucoup, beaucoup de chipboard, hein, puis les die-cuts qu'on va rajouter aussi à la fin. Il y a deux compagnies. Le couvre-feu le week-end. Ah oui, c'est vrai, on s'en vient dans le week-end de Pâques. Ah oui. Couvre-feu. Donc, j'ai mélangé deux compagnies là, pour les chipboard. Désolée pour celles qui ne mélangent rien. Mais j'avais le goût de mélanger. Donc, une ancienne compagnie, ben que j'ai. Tu peux coloriser la pâte avec de la... Oui, 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 c'est sûr, je sais. Mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais que ma pâte soit blanche, puis qu'on je vienne jouer avec autre chose après. C'est plus pour ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc ça, c'est les chipboards de Scrapéfix, un ancien... un ancien amour. Ouais. Ça se peut que je ne prenne pas. Bon. Puis, j'ai les chipboards aussi de Fabrica Décoru. Ça, c'est mes restants de l'autre fois. Puis, ça, c'est des MDF. C'est ça. Donc, c'est sûr que Pâques, hein, ça va se fêter en famille, mais famille soit par Messenger, Skype ou tout ça, ou en famille, les gens ensemble. Hein. Bon, Seigneur. J'ai l'impression de péter du bois pour allumer le feu tellement il se pète vite.
L'autre fois, je l'ai dit, je me répète, ça, c'est des bouts qu'on peut utiliser pour faire du 3D, hein, pour le coller en arrière. Donc, n'hésite pas à garder ça dans tes trucs. Souvent, on cherche des boîtes à carton, mais ça, ça peut faire... Oui, ils sont vraiment beaux, les... c'est du MDF, hein, sont plus épais. C'est comme du bois. Donc, voilà. Désolée, hein, mon chum en arrière, si vous l'entendez. Ou mon chien. Mais vous commencez à être habitué. Coco de Pâques virtuel, là, ça, c'est comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Isabelle, on regardera ensemble, ça va me faire plaisir qu'on commande. Tu sais bien, hein, que moi, si vous avez des besoins, ben je vais être là. Bon, ça, je suis pas sûre, puis ça non plus, fait que je mets ça de côté. Ouais, oui, mais en fait, savez-vous quoi? Je peux toutes les commander, ça. Vous avez juste à regarder puis me le dire. Donc, c'est pour ça que Fabrica Décoru, j'en mets moins dans ma boutique parce que ils sont déjà là. Fait que, tu sais, on commande puis on est content. Concentrer, hein, les dames? Oui, on a toujours des besoins, Brigitte. Surtout là, hein, on scrape beaucoup. Il y en a-tu beaucoup que monétairement, ça les a beaucoup atteints? Tu sais, si ça t'a pas trop atteint, tu peux t'acheter. Moi, j'ai abusé dans les affaires de Limstron un peu dernièrement. Je vais abuser dans ma prochaine commande de Fabrica. Mais y en a-tu qui sont trop cassés pour acheter des affaires en ce moment? Ça se peut, hein? Ça se peut bien. Très tranquille, oui. Souvent, c'est ça. Moi, malheureusement, j'étais en arrêt maladie. Donc, je retourne au travail. Fait que j'ai juste hâte d'avoir des bonnes payes. Mais bon, c'est pas grave. Je suis en santé, la vie est belle. Fait que c'est ça qui est important. Après ça, ben on verra pour les pays. Là, vous me voyez travailler la ficelle, puis je dis pas ce que je fais. En fait, je vais venir y ajouter un petit côté grunge de ce bord-là. Puis après ça, je vais venir l'ajouter de l'autre côté. Puis je vais venir passer la corde pour que ça se fasse un peu plus grunge tantôt. Donc, ceci... va être placé là. Celui-là, vous pouvez utiliser la colle que vous voulez. Moi, j'aime bien celle de Fabrica Décoru. Ou sinon, de la Tombow. Là, on va utiliser celle-là pour les besoins. Ce soir. Donc, c'est sûr que prochainement, j'ai une commande qui part bientôt pour Fabrica Décoru. Encore le temps, là, je vais laisser cette semaine puis la semaine prochaine. Puis, c'est sûr que suite à vos demandes, je vais commander un petit peu plus d'affaires pour ajouter sur ma boutique. Je sais qu'il y a déjà un peu de pâte, tu sais, comme le gesso, la pâte à texturer, j'en ai un peu. Mais si tu as d'autres demandes, je suis disponible. Salut Véronique Gagné! C'est rare, tu regardes mes lives, toi, je suis contente. Je te fais même un beau coucou. Donc, j'aurais aimé ça qu'il soit de l'autre bord. C'est trop bizarre. Pas si pire, mais... Ben oui, toi, je pète ça.
Putain! Parce que on le voit pas en dessous, fait que ça sert à rien de le garder. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi j'ai mis la corde avant, moi, là? Juste me, hein, me tanner? Mais non! Je l'ai vu, cet MDF-là, et la colle? Oui, pas de problème. Isabelle, je t'oublie pas après tout ça. Mais là, le but de mes lives, c'est pas de vous créer des besoins, hein, parce que vous savez que moi, là, en commandant pour Fabrica, ben, tu sais, il y en a qui me disent, moi, je fais pas ça pour l'argent, parce que je fais pas ben d'argent, là, en fait, là. C'est juste que ça revient moins cher de commander toute la gang. Moi, je paye le shipping, puis j'ai un petit rabais, fait que ça vous permet d'avoir les produits un peu moins chers que si on les commanderait en boutique. Donc, c'est ça. Fait qu'hésite pas à me le demander, puis sens-toi pas mal si t'en veux pas non plus. Salut, Nadia! Donc, voilà. Ça paraît pas, là, mais hein, c'est un beau chipboard que je viens de scraper, mais qui va fitter. Donc, ça a l'allure, hein, comme ça. Ça n'a pas paru. Non, c'est trop. Bon. J'ai décidé que c'était trop. Tu t'en vas, Aurélie? Non! peut-être que tu t'endors. Hein? Ça se peut bien, ça se peut bien. Donc, je vais regarder dans les die-cuts, puis ceux-là après, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter qui va embellir le tout. Ça fait des années, moi, que je bricole, mais je prends tout le temps la collection. Je suis capable de mélanger les collections. Mais on dirait que mon œil est tout le temps comme un craton dans la petite vie, là. Hein? Tout faut qu'il fitte d'une couleur, sinon je suis moins bien. Ben, c'est ça que je fais souvent en bricot. Bon, non, je vais y aller avec les chipboards avant. Je suis branchée, moi, vous trouvez-vous? C'est ça le but, un live, hein? Faire tout ça. Dis-moi donc, qu'est-ce que tu fais plus en confinement à part du bricot? Du scrap, du mix média? Qu'est-ce que tu fais que tu faisais pas? Je veux t'entendre, je veux te lire. Ah oui, du Diamond TDAH présent, c'est moi ça. Faire l'école à la maison. Et Sarah, je veux te lever mon chapeau. Ça se dit-tu que te donner mon chapeau à manger? Oui, effectivement. Sarah, elle a 4 enfants et elle fait l'école à la maison. Et hier, c'est-tu hier? Il me semble que oui. Ils ont fait des projets de sciences, mais ça avait l'air vraiment trippant. By the way, ton chum avait l'air à tripper plus que les enfants. Fait que c'était drôle. Fait que je trouve ça bien. Je trouve que c'est plaisant pour tes enfants. Du grand ménage. Avez-vous vu mon petit chat? C'est la plus pèse du monde. Ah oui, tu donnes des ateliers? Wow! Eliette, ça c'est le fun. Bon, tu penses-tu que tu vas nous aider le chat pour faire une belle page? Elle a l'air bien partie. Celle qu'on y fait décider le reste.
Ouais, ton chum est le cinquième, c'est ça, c'est le plus tannant. Je te confirme que moi, j'ai hâte à lundi de recommencer à travailler. Je suis plus capable d'avoir un TDAH à la maison. Soit dit en passant, c'est pas moi la pire, c'est mon chum. Je sais pas si entendu. Je vais me faire battre après. Non, non, je fais des blagues. Ouais, fait que dans le fond, là, pour les mamans qui ont plein d'enfants, qui doivent faire l'école à la maison, je leur lève mon chapeau. C'est là qu'ils se rendent compte que c'est pour ça qu'ils ont fait des enfants. Hein? Ah ah! Mais oui, c'est quand même trippant. Je vous le dis, mon chat arrête pas de monter. Salut Nathalie! Trace de pattes, ça serait beau, trouvez-vous? Mais sérieux, soit que je la laisse avec nous, ou soit que... Parce qu'elle semble vraiment drôle. Bon, ici. C'est quoi? Elle est proche des choses. On va tasser ça. C'est vraiment une peste Cassiopée, mais c'est ça. Elle est comme nous. Elle est hyperactive. Puis elle fit avec notre famille. Fait que là, un moment donné, elle va arrêter d'être sur ma page. Ça serait le fun. Qu'on l'invite à quitter. Je t'invite à quitter, mademoiselle. L'entendez-vous? À la prochaine, Auré, elle va les faire toute seule, tu penses-tu? Mais là, à date, non, tout est sec. Mais là, elle boit dans le pot d'eau. C'est une vraie pêche. Je vais la descendre, là. Sinon, elle me déconcentre bien comme... Ça se peut qu'elle revienne, fait que désolée. Désolée, Madame Cassiopée épaisse. Donc, j'ai décidé de mettre quelque chose ici. Je l'ai dit qu'elle allait remonter. Prends 2 secondes, par remonte. Fait que Sarah, je te comprends que la patience des enfants. Moi, c'est les paquets de chats qui hésitent, qui n'écoutent pas. Donc, j'ai perdu le fil. Voici mon TDAH qui est reparti. J'ai décidé d'ajouter des chipboards ici. Puis après ça, je vais m'amuser à faire autre chose. Hein, sérieux, tes tâches. Voilà. Elle est si cute quand elle miaule, hein, trouvez-vous? Oui, c'est tout le temps pareil, les chats. C'est assez intense comment ça peut être tannant. Bon, le reste, ça, je ne les prendrai pas. Je vais peut-être ajouter des fleurs tout à l'heure. Voilà. Puis, quand je disais que ça, c'est le fun pour faire du 3D, mais c'est ça qu'on va faire. Ah oui, tu manges plus. Oui. À date, je suis pas pire. Puis, vous savez, je prends comme des produits naturels. Hein, puis, je fais super gros attention à mon alimentation. Ben, je faisais, j'avais arrêté un petit peu. Là, je recommence à partir de lundi. Fait que moi, dans le confinement, je ne mangerai plus autant. Ça va être parfait. Parce que là, je fais juste manger. Puis mon chum, il est gros comme un pet. Puis qu'il mange tout le temps. Mais là, il va manger tout seul. Là. En fait, oui, Nathalie, tous les lives restent dispo sur ma page. Puis après, je vous envoie même le lien. Je le mets sur mon compte YouTube. Là, fait que je coupe rien. Puis je mets ça sur YouTube. Fait que ils sont chanceux. Hein, tous les anglophones qui m'écoutent, ben. Il m'écoute dire des niaiseries avec vous. Oui, oui, oui. Je le sais, Nathalie, c'est ta faute. Depuis que je suis avec Nathalie... Non, non, depuis le week-end, Limstrong, je faisais moins attention. Mais là, je recommence à faire attention. Puis... À un moment donné, je prends des pauses.
Puis à un moment donné, je prends plus de pause. Ça dépend. Là, c'est de la faute à Nathalie. C'est... J'ai mangé des cochonneries. Vous pouvez compter durant le live le nombre de fois que je jette le chat en bas. Puis là, elle veut rien comprendre. Aïe! Je l'aime, mon chat, mais elle comprend strictement rien aujourd'hui. Donc, je voulais juste mettre celui-là. Non, j'ai changé d'avis. Je pense à peut-être le live le plus ambivalent que je fais depuis le début. Tu grignotes encore? Ah ben là, là. Ah là, là. Mais vous autres, vous avez le goûter tard aussi, hein? Vous mangez tout le temps, vous, les Français. Comparé à nous, mais vous mangez de meilleurs aliments, donc votre corps, le... Je pense qu'il s'en occupe mieux. Je me suis dit que, mettons que je ne redescends pas, elle va peut-être cette année puis descendre tout seul. Mais clairement que non. Donc, j'ai décidé de le couper en deux pour le faire des deux côtés. Salut Stéphanie! Oh, les anglophones! Ah oh, ouais, mais tu parles français, toi? Ok, c'était pour ça ton aïe. Non, mais ceux qui écoutent mon live et qui parlent pas français, ils doivent dire « Hey, boy, elle te parle ça tout croche. » Mais là, savez-vous quoi? J'ai gagné un concours avec ma compagnie de produits naturels. J'ai gagné un concours, puis pendant 12 semaines, je vais devoir faire des appels, conférences. Oui, j'adore les tags. Je suis plus capable de descendre mon chat. Je vais faire des appels, conférences en anglais constamment. Donc, j'aurais pas le choix, comme on dit, de me débrouiller, puis que ça aille plus vite. Pensez-vous que le chat va se mettre la patte dans le col? Donc, je dis anglophone, mais c'est juste que vu que je parle très québécois, ben, c'est peut-être pas le fun pour les anglophones d'écouter mes lives. C'était plus ça. Savez-vous pourquoi le chat remonte tout le temps? Parce qu'elle boit dans mon bol d'eau. On dirait, oui, oui, c'est j'ai un élevage, Aurélie, de chat de Bengale et de Maine Coon. Donc, oui, j'ai beaucoup trop de chats. Voilà. Donc, je vais laisser coller un petit peu, puis après ça, on va aller s'amuser. Oui, c'est une minette Bengale de 3 mois. Ouais, c'est une grippette qui grimpe partout. C'est ça. Là, je vous le demanderai pas à ce live-là. Là, à chaque fois, je vais demander êtes-vous plus chat ou chien, mais là, je vais vous demander êtes-vous plus tigre ou girafe. Non, c'est pas vrai. Et je ne ferai pas ça. Donc, voilà. C'est presque sec. Ça, c'est juste broché. Fait que ça se peut. Tu sais, quand je dis que je suis pas patiente, là, mais elle commence à me taper ses nerfs. Elle est tellement belle, oui, mais. Salut, Dominique. Oh, tu la veux? Garde pas cher, je te donne. Je peux-tu te pitcher? Pouf! Non, non. Hé, hey, mademoiselle, c'est moi qui bricole, pas toi. Mais c'est ça, on est chanceux. Il n'y en a pas tant qui viennent faire des visites, mais ça se pourrait. Il y en a beaucoup de chats aussi en Europe. Hein. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis éleveurs qui commandent leur Maine Coon. Chez vous, parce qu'il y en a moins au Québec. Moi, je les ai commandés en Russie. Commandés. Je les ai fait venir, importer de Russie. Je fais ça ou je fais autre chose? Attendez, je vais aller chercher un double face. Ça va être... Savez-vous c'est quoi la beauté de mes lives? C'est que... Pendant que j'arrête pas de parler puis que je chiale que mon chum parle tout le temps, mais il est en train de me faire à souper. Il est-tu pas agréable, cet homme-là? Hein? Quand on dit qu'on est choyé, on est choyé. Ah, oh, ça a bugué au moment que t'as voulu. J'ai voulu te montrer. Attends un petit peu. Je vais aller te la chercher parce qu'elle est pas loin.
me demande qu'il regarde mon live de dire je suis plus capable d'entendre parler de son chat. Voilà, c'était ça l'effet que je voulais que ça fasse avec les tags, avec la corde. Voilà, mademoiselle Grippette. Là, je vais essayer de la virer sur le dos, mais je pense pas. Oui, l'homme parfait. Bon, il parle tout le temps, par exemple. Voilà, mademoiselle. Hein? Bon. Correct? Un peu-tu plus chialer? Oui, il est vraiment fin, mon chum. À marier, je suis pas ça trop fort. C'est son rêve de me marier. C'est plus moi la chicken dans le couple au niveau du mariage. Voilà. Bon, on va y arriver. Je voulais rajouter. Ouais, du. Sérieux. Elle me tape ses nerfs, là. Oh, Georgie! Aïe! C'est le fun, là. Depuis que j'ai recommencé à bricoler, là, ben, je peux vous dire un gros merci parce que. Il y a plein de monde que je parlais plus, que je voyais plus, que je voyais moins passer. Salut Lauriane! Je voyais moins passer leur création, puis le fait de faire des lives, ben, et que vous commentez, que je vous vois arriver, ben, je revois les créations des gens. Fait que c'est vraiment le fun. Ça me fait vraiment plaisir de recommencer à créer. Fait que c'est tout ça, c'est grâce à vous. Ouais, elle est mignonne. Je vous le dis, je vous la donne. Non, non. Mais non, elle coûte assez cher. Hein, mademoiselle? Parce qu'un chat de Bengale, c'est cher. Mais un chat de Bengale pour faire des bébés, c'est encore plus cher. Parce qu'il faut payer les droits de reproduction. Je fais des casse-têtes, hein? Ah ben, je vois plus rien. Oups, coudonc. Tu m'entends, par exemple, Aurélie? C'est parce que tu restes trop loin. Tu restes trop loin. Donc, voilà ce qu'on va faire comme ça. Puis, là, c'est le temps de m'amuser avec les die-cuts et les... Et les autres chipboards. Mais là, je me demande si je colle tout de suite. Je colle-tu? Je colle-tu pas? Bon, bon. Oh, t'es fine, Nathalie, mais on a un peu bricolé au crop limestron. En fait, c'est pas vrai. J'ai fait quoi, moi? J'ai fait la moitié d'une page. Puis, j'ai suivi des cours avec Nathalie. C'était drôle. Ça, j'avais du fun. Ah. Quand on fait un week-end, moi, c'est les week-ends parfaits, limestron, parce que je suis des cours. Je fais pas n'importe quoi dans le sens... les cours, c'est n'importe quoi, mais moi, je fais n'importe quoi. Donc, ça, c'est plaisant. Puis, je me couche tard. Mais là, le prochain crop... Qui vient au prochain crop? Les Mistran qui lit. Aurélie, toi, de la France, tu peux venir, hein? Il y a déjà des Françaises qui sont venues. Oui, j'ai fait une carte. Voulez-vous la voir? Non, 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 non. Ah oui, la carte... Non, elle est partie, c'est vrai. Excuse. J'ai fait une carte en cours... Ça, celle-là elle était belle, j'ai suivi un modèle. Mais l'autre, il fallait que je fasse une carte pour une bonne cause avec Gwen. Puis, vous savez, je n'aime pas faire des cartes. Bon, j'étais sur le bord de le tirer, mais il s'est brisé tout ça. Je n'aime pas faire des cartes, donc j'ai fait une carte. Ouf! C'était pas facile. Oui, je l'ai donnée. Toi, je me rappelle même plus c'est quoi ma question. C'est quoi ma question, donc? Parce que j'ai un petit léger TDAH, hein? Y en a-tu qui... Vont crop les mistrons? OK, super! Hey, c'est revenu! Sarah, t'es là! Nathalie, t'es là! Nathalie, faudrait que je fasse l'information à Madame Limstron que je vais être avec toi encore. Je vais juste aller me nettoyer les mains parce que des chipboards, ça nous salit. Qui vient au crop. Merci, hein, c'est beau, c'est beau. C'est où le crop Limstran? C'est à Québec. Je pense que ça va être encore à l'hôtel Plaza. Puis, c'est vraiment une belle place. Les chambres sont belles. La salle, elle est belle. On a de la place en masse. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, je pense que la dernière fois, on était 100...
Rappelez-moi, on était comment? 130? 116? Je ne sais plus. C'était vraiment le fun. Bon, OK. Là, je suis au lieu de placoter, j'envoie le travail. Hein, vous regardez que je travaille, moi. Je devrais vous dire, moi, je fais un live, je jase. Je pense, Nathalie, tu peux peut-être répondre. J'ai pas vérifié sur le site de l'Emstron si elle a déjà. Si on peut déjà acheter nos billets. Je pense que oui, hein. le monde est beau et le fun. Et surtout au party, hein. Brigitte, le party le samedi soir, ça, c'est malade. Wouhou! On danse ses tables. Quand tout le monde est couché, on va voler dans le stock. Ben non, c'est pas vrai. Le party. Parce qu'en fait, il y a comme une discothèque en dessous. Donc, le soir, ça vire en party en bas. Fait que nous, on trouvait ça très drôle. Il me semble que oui. Ben, merci, Nathalie. Une fois, je me rappelle que je vous pose 10 questions en minute. Puis qu'il y a un délai. Fait que là, pour ça, je fais ouais. C'était quoi que j'avais posé? Non. Ouais, c'est ça. Fait que si vous voulez, là, commencer à acheter vos billets. Bon. C'est là que le fun commence. Je vais y mettre un petit peu de color. T'as déjà. Ouais. Tu voulais pas qu'on arrête de t'en parler, pauvre petit cœur. Tu veux vraiment qu'on parle de ton feu? Pauvre petite. Sarah is on fire! J'étais pas là, par exemple. J'aurais aimé ça. Je m'aurais embarqué avec toi, moi, dans ce feu-là. Imaginez, toi, mettre le feu, la faire embosser et la nappe. Pauvre petit cœur. Ça a dû être quelque chose. Ouais. Fait qu'en fait, Sarah, c'est toi qui faisais les ateliers de... C'est toi qui faisais les ateliers de science chez toi. Bonne chance. C'est parce que tu dis les pompiers sont même pas venus. T'aurais aimé ça? Ça se pourrait. Ça se pourrait que ça soit un choix. Salut Julie! Oui, ça amène l'ambiance. Salut Vicky! Vicky, toi, c'est plate que les lives, on ne peut pas parler. Moi, j'aimerais ça que le monde me jase. Parce que là, vous me jasez en écrit, mais je me réponds tout seul dans mon salon. Ben, en fait, dans ma salle. J'aurais aimé ça que Vicky nous montre son chien. Son chien qui est juste parfait. L'avez-vous vu, les photos? Hey, mais non, mais un pompier dans la salle, moi, j'ai fait sa fête. Hein? Vous le savez? Fait que moi, je vote que Sarah, l'année prochaine, tu nous refasses un petit feu de camp. J'embarque, moi, je m'occupe des pompiers quand ça arrive, OK? Ça va être juste parfait. Juste parfait. Ça m'aurait pris des petites fleurs plus petites. Oui, mais c'est correct que j'apporte je voyage léger. Fait que je fermerai mes bacs avant, puis ça va bien aller. On vote les pompiers, Sarah. Pompiers. J'essaie de trouver une fleur moins grosse un peu. Bon. Là, je finalise avec des embellissements, puis après, ben, je finalise. Après ça, on va rajouter de la couleur avec une autre sorte de médium, puis après ça,
après ça, ça va être fini. Quelle heure? Es-tu tard? Les micro-glaze pour sceller les pages. Le micro-glaze pour sceller à cause de l'eau? Hein, sérieux, je fais pas de lien à soir, hein? Je suis pas sûre que je vais avoir faim, finalement. Cette colle-là, là, elle est magique quand on veut faire mettre en dessous. Puis quand on veut que ça colle, puis qu'on veut rebouger, c'est juste parfait. Ah! Êtes-vous tannée de m'écouter? Ça va-tu? Il est juste 7h15. Hein? Il n'y a plus de la voix, vous n'avez rien à écouter. Fait que là, ben, je profite de ce moment pour être avec vous. Ouais. Fait que non, ça ne fera pas de pompiers. Mais on pourrait se trouver une option, là. Du gaz, ça briserait pas nos affaires, mais oui, ça prend du temps. Ouais, c'est le parc des Laurentides. En fait, non, c'est souvent ça, les lives, vous me répondez. Fait que là, j'ai l'impression de parler tout seul, je suis personne me répond. Puis là, on est pop, tout le monde répond. Fait que je vous ai mis de la pression pour rien. Celle-là, c'était plus beau. Ah oui, c'est vrai, c'est fermé. Oui, mais tout le monde, hein? Tout le monde est comme pris chez eux. Moi, à date, mon village, ils l'ont pas fermé. Je pense pas qu'ils ferment Sainte-Brigitte. S'ils ferment Sainte-Brigitte, ben, je pourrais pas aller travailler. Moi qui ai tellement hâte de retourner travailler. Pas le goût qui m'arrête ça. Je coupe des tiges, hein? Une vraie fleuriste. Oui, c'est Fabrica décoru. Oui, Joël, pendant que j'étais, toi, t'es avec Art du Scrapbooking, je pense qu'ils les ont eus, hein? Je donnais ça, cette information-là, à quelqu'un, mais je veux pas dire n'importe quoi à n'importe qui. Ben, en fait, je dis souvent n'importe quoi. Mais bon, je voulais juste pas le dire. Joël, peux-tu nous répondre s'il les avait eus chez Art du Scrapbooking à Laval? Wow! Fait que dans le fond, c'est le fun, ça. Mais en zoom, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Bon. Je pense que c'est assez, là, l'abusage du die-cut puis du... Trouvez-vous que j'ai assez abusé? Peut-être pas. Ça s'en vient beau. Il me semble qu'ils les ont eus, mais en fait, quand on commande là, chez Fabrica Décoru, soit qu'on est locké, puis ça va vraiment vite, puis là, tu fais « Hein, c'est déjà arrivé », soit des fois, ça jamme parce que ça passe la douane, puis c'est ça, ils capotent. Fait que ça dépend tout le temps. Ça dépend tout le temps. Bon, c'est assez, j'ai dit, hein? C'est assez. Je vais ramasser les die-cuts. Puis, on va réfléchir avec le reste. Oui, Fabrica, Stéphanie. Il y en a eu, hein? Tu sais, les die-cuts de même, il me semble, je les ai vus passer chez Art du Scrapbooking.
Parce que si tu es à Montréal puis que tu veux commander là, c'est simple aussi. Tu peux aussi passer par Fabrica. Tu nous ajoutes-tu du lime citron là-dessus? J'en ai mis mon dernier live. Je sais pas. Je suis pas rendue là. Il me reste une coupe de patente puis mon titre n'est pas choisi. Mais, tu sais, en arrière du décor, là, j'ai mes chats qui tournent autour, là. Ah ouais, mais ils l'avaient, Or et Passant, ils l'avaient mis en précommande. Ils ont-ils annulé? Parce que je les ai vus passer. Mais peut-être que ça n'a pas assez pogné, fait que les gens n'en ont pas commandé. En tout cas, bref. C'est pas grave. Donc, tantôt, j'ai dit que je voulais qu'on ajoute un petit peu de color. Je rajoute du mauve, je pousse-tu ma look ou du vert? Salut Julie! Il y a quand même du vert là-dedans. On va voir avec le reste. Je vais ressortir tout ça. Avec mes chiens, j'ai perdu plein d'affaires. Puis l'autre fois, je l'ai cherché. J'ai encore perdu, hein. Je m'étais fait un faux papier. Il faut mettre par-dessus. Vous en rappelez-vous? Vous? Mes photos, là, ils ont tout le temps la même mesure. Fait qu'au moins, ça, c'est le fun. J'ai juste besoin de me faire un petit papier pour le cacher. Parce que si je fais des gouttelettes, j'ai pas le goût de barrer mon truc. Mais avant de faire des gouttelettes, je pense que je vais faire... J'hésite donc bien aujourd'hui. Je vais faire un tapon de petites billes. Vous prenez n'importe quel gel médium. Vous pouvez le faire dans votre pâte à texturer, mais ça fait moins beau. Parce que, voyons, le blanc va ressortir. Donc, vous êtes mieux d'y aller avec un gel médium transparent. Si je le tourne, ça va bien aller. Voilà! Sinon, mais il y en a beaucoup là, qui ont ceux-là là, de Finabar, ça fonctionne. Ah ah, je t'ai pas folle, hein, Stéphanie? Mais non. En fait, bon truc. C'est quoi mon truc? Ah, oh, pour la photo. Hey, sérieux, ça va? Je pense que j'ai faim. Donc, on peut prendre celui-là, mais moi, j'ai celui-là. En fait, j'ai juste de tout. Fait que là, j'ai décidé de prendre lui. On va se faire un petit melting pot dans le milieu, là, de mon... Ça a comme séché pour pouvoir se faire une petite giblotte que je vais ajouter. Oui, je pense qu'elle avait mis une coupe de... Là, je réponds à Stéphanie. Elle avait mis une coupe de produits Fabrica Décorus, mais je sais pas comment était la demande. Mais si tu es à Montréal, là, au lieu de que moi je commande puis que je te le renvoie en shipping, ben c'est une bonne option. Je pense que j'avais mal fermé mon pot. Comme un mouton. Fait que c'est un 3D gel transparent. C'est une bonne... Je vais mettre une bonne motte, mais il est quand même épais. Tu pourrais prendre un gel médium normal, pas 3D. Là, lui, il est 3D. Ah, c'est en octobre, crème. Là, je vais venir mélanger les petites billes. Là, j'ai pris ceux-là de Prima. Il y en a chez Trésor. Il y en a chez... Il y en a une autre compagnie, je ne me rappelle plus du nom qui en font. Prima a trois sortes de trois grandeurs. Donc, c'est plaisant pour ça. Fait que là, je vais me faire un petit mélange. C'est sûr que je joue avec le feu. Là, je suis à côté des couleurs. Regarde. Faut pas trop que ça soit liquide, dans le sens que si ça fait une pâte avec de la garnotte,
Ben, c'est ça qu'il faut parce qu'on pense que ça sera pas collant, mais ça colle super bien. C'est comme là, il me manque un petit peu de... De petite... Fait que je vais venir utiliser ça pour venir faire un autre ton sur ma page. Cool. On aurait pu le coloriser avec les liquides de Finaber ou n'importe quel autre médium. Mais souvent, moi, j'aime mieux coloriser avec des gouttelettes. Ça, c'est moi. T'es pas obligé de faire comme moi. Je te donne juste moi ma façon. Fait que là, c'est une paupière garnotte. Fait que des fois, c'est moins facile à étendre à la spatule. Plus facile au doigt. Fait que là, encore une fois, il y en a qui vont le faire, qui vont en mettre avant. Moi, je le mets toujours après parce que je viens l'ajouter à la spatule, puis je viens faire comme un lien avec mes autres embellissements. C'est une façon, écoute, il est vraiment sticky. Je sais pas comment dire ça. Il est vraiment collant. Il travaille pas super bien. En tout cas, il est comme plus dur à... Il va coller. Ça, c'est sûr, un coup sec. Ça bougera pas de cette page-là. Ouais, donc, ce que je disais, c'est que j'aime mieux le travailler après pour voir où j'en mets. Pour me faire un lien conducteur avec ce que j'ai fait comme création. Ah, il est vraiment pâteux. Ça va être beau à la fin. C'est juste... là, c'est moins beau. Ouais, comment je vais mettre de la couleur? Mais je fais des gouttelettes, Nat. Tu connais pas mon truc de gouttelettes? Moi, je mets des gouttelettes partout. Ces temps-ci, je mets plus de die-cut que de fleurs, mais j'aurais ajouté aussi mes fleurs à ce moment-là. Là, ces temps-ci, j'en mets moins. Et je vous le dis, je me barre les mains. Que je ferais pas pour vous, hein? Il est vraiment collant. Peut-être que je prendrais le... J'aime mieux le gel médium normal, je pense. En tout cas, après y avoir pensé avec vous. Hey. Je rush-tu? Ah non, des gouttelettes avec ma peinture. C'est un peu les mêmes couleurs. Ce sera pas long. Attendez, j'y arrive là après m'avoir beurré les mains 10 000 fois. Je vais y arriver. J'en avais fait beaucoup. Voulez-vous que je vous en envoie par la poste? J'en ai trop. Salut Michel! Hey Michel, si tu te mets à bricoler, écoute, je tombe sur le pet. Michel est un monsieur. C'est un monsieur. Michel, hein, t'es quand même rendu vieux. Je fais des blagues. Travaillait avec moi dans les services de garde à mes débuts. Puis Michel, ben, écoute, il touche à tout, là. C'est sûr qu'il est capable de bricoler des meubles, mais bricoler de l'or, je sais pas si ça serait son dada. Bon, je vais le laisser de côté, puis je vais m'amuser avec les couleurs. Je vais avoir du fun à nettoyer ça après, hein, trouvez-vous? C'est là que je vais venir m'amuser, Nathalie, avec les couleurs. Fait que là, tantôt, on avait la couleur terre qui me reste. Il me reste du mauve. Le vert est un peu plus là, mais je vais y aller avec l'autre vert si j'ai besoin de vert. Fait que là, encore une fois, je vais venir jouer avec l'acrylique. J'ai le goût de rajouter un petit peu de rose. L'acrylique, ça aussi, quand on rajoute de l'eau... Quand on va le faire
séché, ça devient permanent. Tandis que quand on travaille avec les... Les poudres, ça fonctionne moins. Parce que les poudres, dans le fond, s'ils sont mélangés avec de l'eau, ils ne deviennent pas permanentes. Ça, c'est pour ça que là, aujourd'hui, j'avais le goût de jouer avec de la peinture. Les produits de Finabert sont très, très colorés. Hein? Très, en tout cas, ceux-là aujourd'hui, oui. Je sèche pas mes affaires parce que j'ai le goût que certaines gouttelettes vont embarquer dedans. Puis comme c'est un papier aquarelle, ben ça va venir faire un effet aquarellable aussi. Donc, je trouve pas ça assez liquide. Non, j'ai fait mon fond avec ces liquides-là, Nathalie. Puis. Fait que là, j'ai mis un petit peu de rose. J'ai beurré ma photo. Fait que même si on met de quoi, des fois, ça la beurre. Et là, je vais venir jouer avec d'autres couleurs. Comme les peintures, même si on met de l'eau, ça va sécher quand même assez vite. Je vais venir chercher un petit peu de vert. Qui ressemble un peu à la terre, là, mais qui est plus jaunâtre. Fait que ça va venir rechercher un autre teintre. Encore une fois, là, moins on met de peinture, plus ça devient liquide. Hein, c'est un principe qui est assez facile. Est-ce que je peux t'aider, monsieur, qui parle en arrière? Je sais pas si c'est fini, c'est pour ça que je parlais pas. Non, j'ai pas terminé, monsieur. Bon, mon chum me fait dire c'est le souper prêt. Salut! Non, c'est pas vrai. Je vais finir, inquiétez-vous pas. J'arrive dans quelques temps. Donc, je viens encore jouer avec les gouttelettes. C'est le fun, hein? Ouais, moi, je mets de l'eau dans tout, Nathalie. Fait que c'est toujours plaisant de rajouter de l'eau. Puis là, tantôt, on avait du mauve. Oh, excusez pour le chien. Je vais venir y rajouter un petit peu de gouttelettes mauve. Dans tout ça. Puis, on va regarder ce que ça donne. On va sécher un petit peu. Puis, pendant que ça sèche... ça fait quand même très punché, très coloré, mais moi, j'aime bien ça. Puis, mon fond a été fait entièrement de peinture. J'ai pas tout mis les peintures, hein. Je les mettrai de côté. Je vais vous les nommer après. Puis, je vais regarder pour un titre. J'avais une coupe de titres de Stagapo Scrap en bois. Sinon, j'en ai en anglais. C'est sûr qu'effectivement, si j'avais commandé le, voyons, comment ça s'appelle, le calendrier de l'Avent. C'est sûr qu'ils sont en famille, ça pourrait faire bon. Puis, pour faire plaisir à Madame Lindstrom de son fan club, je vais venir y ajouter un petit truc
Ouais, mettre de l'eau dans son vin. Ouais. Non, mets pas d'eau dans mon vin, c'est gaspille ça. Moi, je mets de l'eau dans tout sauf mon vin. Mon vin, c'est bon quand ça goûte le vin. Mais oui, effectivement. Bon, donc, je vais venir y coller ce titre-là. Mon chum, il snick en arrière, il me déconcentre un peu. Ouais, je vais venir y coller. Ah oh non, mais il vient pas me donner à manger. Il n'a pas le temps de manger. Je bricole. Il est-tu drôle, lui? Oh, je te dis, cet homme. Il est là avec l'assiette. Je pense qu'il voulait venir. Ah, oh, tu voulais venir montrer. Viens montrer. C'est ça. Et alors, quoi est-ce que je pensais? OK. Il est-tu en train de me traiter de niaiseuse, là? Regardez comment il est fin. Il m'a fait un tourne-dos. Asperges, crevettes et saumon. Ça va-tu être bon, toi, chose? Fait que, hein, je vais me grouiller. Vite, vite, vite. Non, non. Il est-tu fin, cet homme-là, ou il est pas fin? Hein? Bon, vous avez vu mon souper. Il y a du riz. J'en mange plus à partir de lundi. Donc, voilà. Grandeur nature. Voilà! C'est pas beau? Beautiful, si facile. Je vous le dis, celle... qui n'ont pas fait leur commande, l'imstron, là. Ça, un must... Super facile, ça se découpe comme un charme. Vous avez les feuilles. Ouh! Même vous pourriez vous en faire sur un papier blanc puis l'écrire à la main si vous êtes patiente. C'est magnifique. Magnifique. Ouais, ça a l'air bon, hein? Je sais pas s'il y a du vin. Sinon, s'il n'y a pas de vin, je vais m'en faire. Non, mais je vais au pire, je vais peut-être manger ça avec du gin tonic. Ça serait une bonne idée. Bonne idée. Une bonne idée. Mais oui, pour vrai, là, chaud du coq à l'âne, comme toujours. Je trouvais que ça manquait de rose. Les produits Limstron qu'elle a sortis, là, wow. Wow, wow, wow. Tu viens de les recevoir? Ah. Je t'ai dit... Dépêchez-vous parce que d'après moi, ça va partir vite cette histoire-là. C'est comme, vu qu'on est dans le COVID, on a le temps. Profitez-en. Bon, je vais attendre, je vais le laisser sécher. Je vais y mettre une petite touche de rose par-dessus. Hey, merci, Nathalie Pajot. Mais c'est drôle parce que en fait, il y en a pas qui écoutent à mon travail, au foyer où je travaille. À chaque fois que je me présentais, oh my God, j'ai failli faire une boîte. Hein, je disais pas juste Cindy, je disais Cindy Brown. Puis là, à un moment donné, je me demandais pourquoi que les enfants qui arrivaient, même en arrivant, ils m'appelaient Cindy Brown et non Cindy parce qu'on n'a pas de vouvoiement au foyer. Puis là, c'est toujours resté qu'ils vont m'appeler Cindy Brown. Fait qu'à chaque fois que j'arrive, c'est pas Cindy, c'est Cindy Brown. Hein? Pas tannant, juste un peu. Je vais juste nettoyer parce que je suis en train d'en mettre partout. Puis reste à l'écoute parce que je vais te montrer le prix. Je l'ai préparé d'avance ce coup-ci pour mon... le prix qui va être tiré après, après ceci. Mais là... Ouais... C'est beau, mais ici, je trouve que ça fait vide. Fait que je vais y en ajouter un petit peu. Et je vais au moins. Je vous le dis, si vous avez le goût de quelque chose qui colle, là, achetez ce 3D-là de Fabrica. Hey, sérieux, je pense que je pourrais coller un meuble sur un mur avec. Il est vraiment collant. Tu vas me montrer le prix. Oui, je vais me montrer le prix. En fait, pas juste à Nathalie, je vais le montrer à tout le monde. J'ai fait tirer le prix en début. C'est Nicole Perron qui a gagné. Mais à chaque live, je vous pose des questions. Puis ça me fait plaisir de vous donner des petits prix que j'ai ici parce que j'ai du stock en masse. Puis si je peux le donner à des gens qui en ont besoin, mais ça me fait plaisir. Donc voilà ma page. Fait entièrement du début à la fin. C'est pour ça que des fois, c'est un petit peu plus long pour le live. Mais j'espère que vous avez eu du plaisir pareil. J'espère que vous me restez à manger, pensez-vous? Pensez-vous, entre autres. Et le prix qui va être tiré prochainement.
En fait, là, juste le temps d'aller manger, puis après ça, je vais éditer la vidéo. Puis je vais vous mettre ça. Ça va être deux chipboards. C'est Scotland thème. En tout cas, si vous êtes allé à Scotland, des petits... des épingles, non? Comment on appelle ça? Bref, pas des épingles, mais des... C'est ça, des épingles? Et un paquet de papier. C'est sûr que c'est pas des produits nouveaux créés. Écoute, hein, si t'es pas content, participe pas. Non. Mais dans le sens que c'est des choses que j'avais, moi, en trop, en double, que j'ai acheté. Ça fait des fois un petit peu longtemps, des fois moins. Puis, si ça peut rendre plaisir à quelqu'un, ben, c'est oui. Sinon, ben, si ça te plaît pas, c'est pas grave. Tu sais, c'est un cadeau, hein. Un cadeau, on chiale pas. Puis, si, mettons, tu veux le donner à tes enfants parce que c'est pas quelque chose de nouveau. Des fois, je mets des choses nouvelles. Des fois, ça dépend vraiment du feu du moment. Ben, si tu peux le donner à ton enfant, là, eux autres, ils vont être vraiment contents. Qu'est-ce que t'en penses des trombones? Merci! Ah, oh, je te dis. Je suis tellement attachante que je déparle, hein? En tout cas. Donc, ce fut un plaisir de faire cette page avec vous. J'ai vraiment eu du fun, puis mon produit que j'ai aimé essayer, là, c'est liquide acrylique. Fait qu'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort puis d'essayer des nouvelles choses, parce que je l'avais jamais essayé, puis regardez, je l'ai fait en live avec vous. Fait que c'est pas plus sorcier que ça. Quand on a des nouveaux produits dans notre affaire, là, le truc, c'est de les essayer. Donc, pour celles qui me disaient, qui me parlaient de produits Fabrica Décoru ou tout autre, vous pouvez venir me voir en privé ou je vais aller vous voir, là, je vais relire tout ça. Puis la peinture en tube ici, c'était la peinture Prima Impasto de Finambert aussi. Ça aussi, Diane, je peux regarder avec toi puis en commander pour toi, ça me ferait plaisir, ma grande. Je peux le donner à ton enfant, ben ça dépend quoi là. Liquide de Fabrica, non, liquide c'est Finambert aussi. Et puis merci, bon, ça sent tellement bon, c'est rare, hein, que ben du saumon ça sent bon quand c'est frais, mais là il sent vraiment bon. Fait que j'espère qu'il l'a pas tout mangé. C'est ça, j'aime quand tu tutoies, on dirait que... Bon, ok, j'arrête de déblatérer, merci d'avoir écouté, puis si vous avez d'autres questions, je vais vous répondre en commentaire juste après mon souper, ça va me faire plaisir. Hey, merci, bye bye les filles!